Seigneur, merci pour la première partie, tout ce que tu as fait, c'est merveilleux. Dieu Seigneur, je laisse la parole entre tes sa main. Dis-lui Jésus, j'ai faim, mais j'ai faim de ta parole. Que ta parole change ma vie. Que ta parole transforme moi. Que aujourd'hui soit mon jour d'écouter ce que tu as préparé pour moi. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que mouto longa za besa maboko soko za molongi? Il y a quelqu'un qui a eu le souffle de vie aujourd'hui. Le souffle de vie gratuit. Beta moulo le za Yesu. Alléluia. Alléluia. Tu es le Seigneur. Sans plus tarder, on va éviter Berger Néo qui va nous prêcher la parole. Quand il va passer, on acclame pour le nom de Jésus. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Prenez nos Bibles rapidement. Actes des Apôtres 2, de versets 37 à 38. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Jusqu'à 39. Jusqu'à 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Beta maboko pona lokumu na Nzambe. Amen. Dimanche passé, on a commencé à partager un thème sur le être et devenir enfant de Dieu. Et on a commencé de cet thème. Le texte, c'était dans le livre de Jean 1, de 12 à 13. Bon, par la grâce de Dieu, on a essayé de développer un peu ce qui disait le verset 12. Verset 13, on n'a pas vraiment touché. Par la grâce de Dieu, on va essayer vraiment de continuer de parler de ça aujourd'hui. Parce qu'on a promis qu'on voulait parler des critères. Parce que quand on devient enfant de Dieu, il y a des certains critères qui prouvent que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des certains critères qui nous montrent que nous sommes des enfants de Dieu. Juste pour nous aider, comme il y avait des gens qui n'étaient pas là, Sœur Béni va lire encore une fois dans le livre de Jean, 1, de 12 à 13, comme ça. Ça va nous aider de continuer notre lecture. J'ai le nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle les a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc on a compris, on a essayé de diviser ça en trois parties. On a dit la première partie c'était de les recevoir et la deuxième partie c'était de croire à son nom et c'est là il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On a dit qu'il est à la porte, il est en train de frapper. Si tu les reçois, tu ouvres, il va entrer, il va rester avec toi. On a dit croire en son nom comme le seul médiateur, le seul et l'unique qui sauvait dans notre vie et on a dit qu'il nous a donné le pouvoir. C'est par là où on a essayé de toucher un petit peu le point. Il y a des gens qui pensent que juste l'effet de dire au nom de Jésus, donc tout ça peut se passer. On a dit qu'il y a des certains critères, donc ils poussent tout ça. Bon, Dieu peut faire grâce. Dieu peut faire grâce à qui veut. Alléluia. Dieu peut faire grâce parce qu'il y a quelque part dans la Bible, il dit que Dieu n'attend pas les prières des pécheurs. Alléluia. Mais c'est possible que quelqu'un qui vit dans les péchés, il se répand vraiment, il demande à Dieu, il dit aussi il peut les sauver d'une maladie, il dit aussi il peut les guérir, il dit aussi il peut sauver son âme. Alléluia. Donc quand on parle de ça, c'est juste pour nous aider à grandir ou bien à s'approcher encore une fois de notre Dieu. Bon, le livre qu'on vient de prendre, le livre des Actes, c'est vraiment un livre que j'aime bien. C'est un livre que j'aime bien. Parce que c'est les œuvres des apôtres après le départ de Jésus. C'est là où les disciples ont commencé à faire des choses. Les promesses
le Saint-Esprit est venu, a descendu, et les disciples, ils ont entré en œuvre. Alléluia. C'est vraiment une livre, c'est, on a des temps à la maison, lisez-les vraiment, parce que c'est, ça explique un peu comment l'Église marchait à l'époque, et ça va nous aider aussi, nous aussi, de suivre les mêmes exemples, en fait, de bien marcher. Alléluia. Parce que quand on suit des bons exemples, ça nous aide aussi à grandir. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Saint-Esprit a descendu, et comme la promesse s'était donnée à Pierre, Jésus l'appelait Pierre, il a dit, je te donne la clé. Alléluia. Et Dieu, quand il dit une chose, il respecte ce qu'il dit. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir de sa parole. Dieu, quand il prononce ses mots, il est jusqu'au bout. Il va soumettre sa parole jusqu'au bout. Dieu, quand dit, Jésus, quand il dit à Pierre, il a dit, je te donne la clé. Si tu ouvres une chose, ça s'ouvre. Si tu fermes une chose, ça se ferme. Et le jour-là de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, on a vu qu'il y a des gens qui étaient tellement... Jean, il était tellement intime de Jésus, qu'on a parlé de dimanche passé, il osait même de mettre sa tête dans la poitrine de Jésus. Il y avait des gens qui étaient aussi des amis de Jésus, qui parlaient bien avec de Jésus parmi tous les disciples, mais Jean, il avait une intimité, vraiment une connexion avec Jésus. Et, mais le jour-là, ce n'est pas lui qui a parlé, c'était Pierre qui a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, la Bible nous dit que dans le verset 37, les gens qui étaient durs du cœur, des gens qui étaient de mauvais caractère, et quand ils ont entendu cette parole, ils ont fait quoi? Ils ont réci cette parole. Ils ont reçu cette parole, ils ont parti voir Pierre. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on a dit, on n'est pas des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes des gens que Dieu a créés. Mais on devient. Et quand on parle, on devient, c'est quelque chose, peut-être des cérémonies, ça peut être physique, mais c'est une chose spirituelle. Alléluia. On va voir quelqu'un avec toujours ses deux pieds, avec les épaules en place, mais ils deviennent enfants de Dieu. Des fois, on peut demander, mais c'est quoi qui a changé? C'est pour ça qu'on a dit, quand un couple enfante un enfant, normalement, quand on regarde l'apparence physiquement, il y a des choses, il y a des traits qui disent que non, lui ou bien elle, il est enfant de telle personne. Par rapport à sa morphologie, c'est ça qu'on a dit, donc ça peut être fonction, le nez, les yeux. Il y a des gens qui, tous dans leur famille, ils ont un peu des yeux un peu doux, donc c'est comme ça en fait. Mais il y a aussi quelques caractères qui ne sont pas visibles. Ils sont pas, donc il y a des choses aussi qui ne sont pas visibles, mais c'est quand ils parlent ou bien sa façon de parler. Comme on a dit, ça peut être fardeau de chanter, et fardeau de penser des fois. Là, les gens ils disent, non, lui, vraiment, il réfléchit comme son père. Non, lui, vraiment, ou bien elle, il fait des choses vraiment comme sa mère. Il y a des gens aussi qui disent, non, elle, vraiment, il a le cœur de sa mère. Alléluia. Donc, on ne les voit pas, donc ça ne frappe pas dans le corps. Mais quand tu restes avec cette personne, c'est par là où tu vas découvrir ça. Avant qu'on continue, j'aimerais bien qu'on lise encore une fois le livre de Jean, Jean 3. Comme Jean 3, chapitre 3, verset 3. Ça, après, on continue. Comme ça, on va parler des premiers critères. Jean 3, verset 3. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Continue. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Il a dit, ce qui est né du chair, il est chair. Et c'est qu'il est né d'esprit, il devient aussi esprit. Alléluia. C'est que les premiers critères qu'on va parler, c'est naître de nouveau. Alléluia. En lingala, kobotama yasika. En portugais, nacer de novo. Alléluia. Naître de nouveau. On a vu cette histoire. Ce n'était pas quelqu'un qu'on peut dire normal. À quel état que je dis, ce n'était pas normal. Si on suit bien la Bible, il est en train de les subir comme un prince. Jésus, quand il parle avec Nicodème, il a dit qu'il était un prince. Nicodème, il est parti voir Jésus. Vers le matin. Il faisait noir quand il est parti voir Jésus.
Et quand il est parti voir Jésus, il a commencé à dialoguer avec Jésus. Il a dit, personne ne peut dire des choses que tu dis. Les miracles qui t'ont fait, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il a dit, personne ne peut faire des choses que tu fais. Les miracles, tout, comment tu parles. Il a dit, personne ne peut les faire s'il ne vient pas de Dieu. Or, dimanche, on a dit qu'il y avait un moment que Moïse, il a dit, Moïse, sa tâche était devenue un peu difficile. Pourquoi? Il avait plus de 6, donc on peut dire plus de 20 000 personnes qu'il était à sa charge. C'est lui qui prenait soin de tout le monde. Mais un jour, son beau-père, Jethro, il est venu les voir. Il a dit, mais comment tu fais? Comment tu gères tout ça? Il a dit, je te conseille de prendre au moins quelques-uns, quelques gens avec toi qui sont des bons cœurs afin de t'aider dans la tâche qu'il t'a donnée. Alléluia. Et Moïse, il est parti interroger Dieu. Il a dit, Dieu, regarde ce que mon beau-père m'a dit. Comment est-ce que je peux le faire? Il a dit, non, c'est une bonne idée. Dieu a dit à Moïse, prenez 70 personnes qui sont bons, avec un bon comportement, avec un bon témoignage. Prenez tous ces 70 personnes, ramenez-les vers moi. Tu vas monter dans la montagne, et quand mon esprit va descendre, je vais prendre l'esprit qui est en toi pour partager avec ces gens-là. Alléluia. Dieu n'a pas fait une chose de nouveau, il a dit, je prends juste ce qui est à toi pour partager avec ces gens. Alléluia. Et quand il a pris tous ces gens-là, ils ont partagé. Donc, à partir de ces jours-là, Moïse est devenu comme prince. Alléluia. C'était le prince qui dirigeait tous les gens-là. Donc, il y avait des gens qui avaient chef des 100. Il y a des gens qui étaient chefs des 1000. Il y a des gens qui étaient chefs des 50. Et quand la situation elle était difficile, ils partaient voir Moïse. Et Moïse, quand il voyait les choses, ils sont difficiles, il ne peut pas les résoudre. Lui, il partit voir Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas la hiérarchie dans l'église. Il y a des gens, des fois, qui disent, non, avoir quelqu'un qui vous dirige, ce n'est pas vraiment bon. Alléluia. Ça commence dans la Bible. Alléluia. Même si on va dans les ciels, c'était pareil. Il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a des anges. Alléluia. Il y a juste une échelle. Donc, c'est qu'il y a la hiérarchie, ça commence par là. Il se descend aussi en nous. Alléluia. Et là, donc, à partir de ce jour-là, Moïse il est devenu prince. Et ça signifie quoi? Quand Moïse il est mort, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la succession. Parce que Moïse, il était de la tribu de Lévi, mais il n'était pas souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, c'était son grand frère, Aaron. Alléluia. Donc, il sait que la sacerdoce, ce n'était pas pour lui. Mais lui, il était là pour juger quelque part. Alléluia. Donc, c'est que quand il y avait un souci, on venait voir Moïse afin de donner la solution. Et si on suit la Bible, on voit que Moïse, il avait, après il a passé à qui? Après il a passé à Josué. On va aller un peu vite. Après, il y a les prophètes aussi qui ont pris ça. Mais avant les prophètes qui ont pris ça, c'était aussi Samuel. Samuel, il était aussi un juge. Alléluia. Donc à son époque, c'était lui le juge, c'était lui le sacrificateur. Alléluia. C'est lui qui prenait tout ça. Samuel, il était prophète, il était juge, il était aussi sacrificateur. Alléluia. Je répète, Samuel, il était juge. Il était sacrificateur, il était aussi prophète. David, il était prophète, il était aussi roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Samuel, il était roi, il était aussi qui? Il était aussi prophète, parce qu'il a prophétisé. Mais il n'était pas qui? Il n'était pas sacrificateur. C'est pour cela, les jours que Samuel a donné des sacrifices, Dieu l'a fait quoi? Dieu s'est fâché. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, lui, il avait 3 ministères. Et Saül, il avait 2 ministères. Il voulait rajouter encore un autre ministère. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Dieu m'appelait dans 7 domaines. Et je continue à le servir dans 7 domaines qui m'appelait. S'il vient rajouter encore une chose, ça vient de décider. Ce n'est pas à nous de décider. Alléluia. Donc, et là, on comprend. Après, ça passait aussi au roi. Le roi aussi qui a jugé, c'était roi Salomon. Je sais que nous tous, on connaît l'histoire quand des femmes, ils ont venu voir roi Salomon à propos de leur enfant. Alléluia. Parce qu'il y avait des femmes que l'autre, il a perdu son fils. Après, ils ont parti vers roi pour juger ce problème. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, ça va,
Moi, je prends l'enfant, je vais le partager au milieu. Comme ça, toi, tu prends une autre partie, elle aussi prend une autre partie. Mais la maman, elle a dit quoi? Non, je préfère que tu ne le fasses pas. Je préfère que tu le donnes. Et c'est par là où il a compris que non, la véritable maman, c'était elle. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Donc, c'est qu'à partir de cela, à Israël, on avait un prince, on avait un souverain sacrificateur. Et quand Jésus il est venu, qui il était, prince, c'était Nicodème. Donc, c'est que Nicodème, c'est quelqu'un qui était quelqu'un de bon, quelqu'un avec un bon témoignage. Mais les jours-là, quand il a entendu Jésus parler, il a dit, j'ai jamais vu un homme qui parlait comme lui. Qu'est-ce que Jésus parlait un jour? Jésus il a dit quoi? C'est écrit dans votre loi. C'est quelqu'un œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui te tape à gauche, toi tu donnes quoi? Tu donnes droite. Et je crois que ça, Nicodème l'a dit, j'ai jamais vu un homme qui parle comme lui. Il a dit, je vais aller le chercher pour savoir comment je peux faire. Et quand Jésus l'a dit, il a dit que pour entrer dans les royaumes, tu dois naître de nouveau. Et cette nouvelle, c'était étonnant à Nicodème. Nicodème, c'était déjà quelqu'un qui était déjà vieux. On va imaginer, Jésus l'appelait docteur. Mais ce que Jésus l'a dit, c'était au dehors de ses critères. C'était dehors de ses imaginations. Il était tellement lourd pour lui. Il a dit, mais comment ça va se faire? Moi qui je suis déjà vieux, entrer dans le ventre de ma mère et naître encore de nouveau. C'est pour cela que Jésus l'a dit, qui est né de chair, il est chair. Et qui est né d'esprit, il est esprit. Donc c'est que quand on dit naître de nouveau, on voit qu'il y a la rituelle qu'on fait, on prend quelqu'un, on met en l'eau, il sort. Nous on pense que c'est tellement physique, mais il est lié avec quelque chose qui est spirituel. C'est pour cela, quand Pierre y prêchait, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Pierre les a dit, répentez-vous et vous serez baptisés au nom de Jésus, afin que vos pardons soit pardonné. Parce que, avec vos péchés, merci, qu'ils soient pardonnés. Donc, c'est que Jésus est venu, pas pour couvrir le péché. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et il a dit, les promesses, c'est pour vous, les gens qui étaient présents, et pour les gens qui vont venir à l'avenir. Donc, c'est que, pour devenir un enfant de Dieu, quand on les reçoit, quand on croit en son nom, quand on se répand, on doit être passé dans l'eau. Alléluia. Photo les kanamai. On doit être baptisé. On doit être baptisé afin d'entrer dans cette assemblée. On va regarder ça. Quand Dieu appelait Israël dans la captivité, ils ont passé où? Dans l'eau. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge. Et quand ils étaient en train de traverser la mer Rouge, ni Moïse, je crois, tout le monde, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Dans leur tête, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de passer la mer Rouge. Mais un jour, quand Paul a commencé à prêcher, ça c'est écrit dans le livre des Corinthiens 10, il a dit quoi? Les actes qu'ils ont fait de passer la mer Rouge, c'était le baptême. Alléluia. Donc ils ont dit qu'ils ont passé les mains rouges, c'est un baptême. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc c'est que quand nous sommes baptisés, on entre où? Dans le désert. Alléluia. On sort d'Égypte, on passe la mer rouge, on entre dans le désert. Dans le désert, c'est où on mange quoi? Où on mange la manne. Alléluia. C'est que nous aujourd'hui, nous sommes baptisés, donc c'est que nous sommes en train de passer la mer rouge. Après là, on passe où? Dans la table du Seigneur. Alléluia. Prenez nos Bibles. Livre de Luc. On va parler un peu de la Sainte Cène. Donc, naître de nouveau. Deuxième, on va parler de la Sainte Cène. Luc 22. Luc 22. De 19 à 20. J'ai le nom de Jésus. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Donc, nous sommes nés de nouveau,
On passe à la table. Lisons encore au livre des Jean, Jean 6. Les gens, ils étaient étonnés. Comme Nicodème, il était aussi étonné. Comment on peut manger ton corps? Comment on peut boire ton sang? Il ne savait pas que des fois, Jésus, quand il parlait des paraboles. Il parlait en paraboles. C'est pour ça que certains gens, ils ne comprenaient même pas. Alléluia. Même les disciples, des fois, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, Jésus, mais on n'a rien compris. Il a dit, d'accord. Et ils n'ont pas compris, mais à vous, je donnerai l'explication. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut comprendre que Dieu nous donne l'explication des choses. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne l'explication des choses. Parce que sinon, une peuple sans révélation, c'est comme un train sans frein. Alléluia. Amen. Tout abat, tout nuance. Donc on a vu qu'il a dit, il a pris le pain sans levain. Il a dit que ça, c'est mon corps. Et si tu vois, normalement, physiquement, ce n'était pas le corps de Jésus. C'était la farine que quelqu'un a préparée. Mais quand on va pour passer dans la table de Sainte-Cène, on fait une prière. Et la Bible nous dit quoi? Tout est purifié par la parole et par la prière. Et quand on est en train de faire cette prière, croyons vraiment que les choses sont en train de se transformer. Et quand on passe à la table à la Sainte-Cène, c'est le corps de Jésus. Quand on boit le vin, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est que les critères, on doit naître de nouveau, on doit passer à la Sainte-Cène. Alléluia. On va parler du troisième critère, qui est dialoguer avec Dieu, ou bien dialoguer avec Jésus, qui c'est dans la prière. Alléluia. La dialogue avec Jésus, la prière. Alléluia. Jésus, quand il est parti à la montagne, qu'il était en train de prier, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient les trois, Jésus était en train de prier. Et quand il priait, quand il a retourné, il a trouvé les disciples, ils étaient en train de dormir. Il a réveillé qui? Alléluia. À qui il a réveillé? À Pierre. Vous savez pourquoi il a réveillé Pierre? Alléluia. C'est ce qu'on a dit dimanche passé. Tous les mots qu'on prononce en priant, Dieu prend ça en compte. Alléluia. Quand on dit un mot devant Dieu, Dieu prend ces mots-là en compte. Nzambe sale langa, nzambe la lingua utilisenga. Toi, tu penses que Dieu l'a oublié. Et Dieu, quand on aura besoin, d'accord, il a dit quelque chose. Yaka, au sale langa. Alléluia. Anne, elle a dit quoi? Si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. Ça signifie quoi? Quand Anne, elle a tombé enceinte, Samuel n'était plus son fils. Alléluia. Il n'était plus son fils. Aïe, a béni. Donc c'est que Anna, quand il est tombé enceinte, il était plus son fils. Parce que Dieu, si tu me donnes, je vais te le rendre. Et la Bible dit que quand le petit, il a grandi un petit peu, il a pris, il l'a amené au temple. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a pris en charge, comme un père prend la charge d'un enfant. Parce que quand Anna cherchait un enfant, Dieu cherchait un juge. Alléluia. Parce que quand Anna cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. C'est que quand on fait la prière, cherche que ta prière soit aussi favorable à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que des fois, nous, on fait. Soit la Bible dit que des fois, Dieu ne nous répond pas parce qu'on demande mal. Parce que plusieurs fois, quand on demande, c'est pour nous. Matthieu 6. Commençons dans le verset 6. J'ai l'envie de Jésus. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Mm-hmm. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Continue. Voici. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Mm-hmm. Notre Père qui est aux cieux. Petites secondes. Alléluia. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Pourquoi elle n'a pas dit ça en singulier, mon Père? Parce qu'il veut que quand tu commences à prier, que tu saches qu'il est notre Dieu. Alléluia. Il veut que tu saches qu'il est notre Père. Alléluia. Il veut que tu saches qu'il est notre Père. Donc, c'est que quand je viens à genoux, que je ne continue pas à voir Dieu comme toujours un créateur. Non, on continue. Que tu ne continues pas à voir Dieu comme toujours un créateur.
Mais il faut que tu le voies aussi comme ton Père. Continue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Notre Père, on doit reconnaître, il a dit, entrez dans ta chambre. Et quand on parle de chambre, alléluia, quand on parle de chambre, c'est juste une métaphore que Jésus l'a utilisée. Donc, c'est que tu dois entrer en toi. Alléluia. Entrer en toi. Parce que quand on dit que nous sommes des enfants de Dieu, des fois, quelqu'un peut te demander, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? C'est pour cela, le livre des Romains nous dit quoi? Romains 8, 16, il nous dit quoi? C'est notre esprit, l'esprit de Dieu qui dit à notre esprit, il prie Abba Père. Donc, c'est que quelque part, je vais essayer d'expliquer ça un peu facile. Aujourd'hui, quand quelqu'un est abonné chez Bouygues, alléluia, qu'est-ce que Bouygues fait? Il ramène une box, c'est pas ça? Il ramène une box, il te donne. Et toi, tu prends le box, tu le mets où? Dans ta maison. Et c'est parti de là où tu peux avoir quoi? La connexion des Bouygues Télécom. Alléluia. C'est que quand nous sommes nés de nouveau, c'est comme une box qui devient déposée en nous. Et c'est par là qui nous permet d'avoir une connexion avec Dieu. Parce que c'est cet esprit qui témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est que nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Donc c'est qu'il y a des critères, donc comme ils sont pas beaucoup, ils sont un peu beaucoup, on va pas lire tout en fait. Mais le plus important de savoir quoi? Quand on entre la vie chrétienne, comme on a dit dimanche passé, quand on dit que je deviens le garde-corps des présidents, il y a des certaines choses que tu dois faire. Tu dois sacrifier ta vie pour le président. Et quand on devient des enfants de Dieu, nous sommes là pour propager le nom de Dieu. Nous sommes là pour devenir des enfants de Dieu. C'est que notre comportement, il doit changer. Alléluia. Donc, c'est que même la Bible nous dit quelque part de l'épître des Jean, comment toi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton proche. Alléluia. Donc, c'est que l'amour, c'est un des critères importants pour devenir un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit marcher dans la lumière. Et où est la lumière? Il y a la présence de Dieu. Parce que Dieu, il ne marche pas dans les ténèbres. Parce que quand on marche dans les ténèbres, on est en train de cacher notre comportement. Mais Dieu, il veut qu'on soit un exemple. Alléluia. Dieu, il veut que notre vie soit un exemple pour les autres. C'est pour cela que le livre de Matthieu a dit, vous êtes comme une lumière. Et vous êtes en train d'éclairer, on ne peut pas vous garder. On doit vous mettre dans une montagne afin que tout le monde voit comment vous priez. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Aimer les frères, c'est un des critères. Prier, c'est un des critères. Parce que des fois, on ne comprend pas. C'est pour cela que Jésus il a dit à Pierre. Parce que Pierre, quand Jésus il disait que aujourd'hui, vous allez se scandaliser, il y a un de vous qui va me trahir. Pierre il a dit à Jésus, non, les autres peuvent se scandaliser. Mais moi, je continue toujours à te suivre. C'est pour cela que quand il dormait, Jésus a dit, ah, maintenant réveille-toi. Alléluia. Il a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Parce qu'on doit comprendre la prière, il a beaucoup de rôles qui jouent dans la vie des chrétiens. C'est comme un bouclier. Alléluia. La prière nous sert comme un bouclier. Et la prière nous sert comme pour nous défendre pour les tentations à venir. Donc c'est que quand je fais prière, ça ne suffit pas, ça ne reste pas que pour moi. Ça devient pour mes enfants et ça vient aussi pour mes petits-enfants. Alléluia. C'est pour cela quand on est en train de prier, parce que prier c'est un dialogue. C'est pour cela des fois je vois des gens qui récitent notre Père pendant 10 000 fois. Alléluia. C'est une formule. Parce que la Bible dit, ce n'est pas en répétant les mots que notre Dieu ou bien votre Père il va vous exaucer. Parce que la Bible nous dit, il connaît même nos désirs avant que l'on demande. Alléluia. Il connaît même nos désirs avant qu'on les demande. Il a dit prier sans cesse. Prier pour demain. Alléluia. Et je sais vie, il doit prier. Et je sais vie, il doit prier pour demain. Et je sais vie, il doit prier pour les gens qui ne sont pas encore là. Et quand tu pries, commence à les voir à la foi. Parce qu'on doit voir la foi. Quand tu pries, commence à voir la foi. Commence à voir que non, il y a quelqu'un qui est sauvé.
C'est pour ça que quand tu pries, commence à voir des grandes choses en train de se passer. Parce que comme un jour un homme il a dit, ce que tu rêves, ce que tu réalises, ça va te pousser de suivre ces rêves-là. Alléluia. Ce que tu rêves, ton corps il va se motiver pour suivre tes rêves. Qu'est-ce que tu rêves pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans notre vie? Il n'y a pas 5 moyens, il n'y a pas une formule magique. Les seules formules magiques qu'on a, c'est nos genoux. Comme un serviteur de Dieu, un jour l'a dit dans son église, bon, de l'église où il était pasteur, quand quelqu'un disait que non, je suis un intercesseur, il disait toujours, pour savoir que c'est un intercesseur, il disait, lève ton pantalon jusqu'au genou. Il regardait toujours ses genoux. Et quand il voyait ses genoux clairs, il disait, non, tu n'es pas un intercesseur. Il est parce qu'un intercesseur, il met toujours ses genoux. Il fléchit toujours ses genoux. Alléluia. Ça, c'était le chrétien qui pouvait s'utiliser. Un chrétien, il doit aimer se mettre à genoux. Un enfant de Dieu, il doit aimer dialoguer avec Dieu. Parce que quand on prie, on commence à avoir l'intimité avec Dieu. À force de parler avec quelqu'un, tu commences à avoir l'intimité avec lui. Si je me souviens pas mal, nous tous que nous sommes là, au début, ce n'est pas tout le temps qu'on avait l'accès de se parler. Mais à force de se voir, à force de parler, maintenant, là, l'intimité, alléluia. Aujourd'hui, je peux voir quelqu'un lui dire un peu de mes soucis. Et cette personne va m'aider dans la prière. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Gardez les commandements. Demeurez en Jésus-Christ. Jésus l'a dit, si vous gardez mes commandements, moi et Père, on viendra en toi. On fera de toi notre demeure. Alléluia. Gardez le commandement de l'Éternel. Dieu a dit à Josué que cet livre de loi, il ne s'éloigne pas dans tes yeux. Il ne s'éloigne pas dans ton cœur. Gardez le commandement de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, quand on achète, genre, c'est le jour qu'on achetait ce piano, bien le jour que passait l'acheter ce piano, je crois qu'il y avait une notice qui disait, pour jouer, il faut faire ça, ça. Tout est écrit dans la notice. Et Dieu nous a créé, nous a donné comment on doit marcher. Nous a donné sa parole, comment on doit guider nos vies. Errez l'homme qui ne s'assoit pas dans le complice avec les méchants. Mais errez l'homme qui trouve son plaisir à la parole de l'Éternel. Il médite jour et nuit. Marchez dans le commandement de l'Éternel. Il y a des gens qui disent, non, la loi s'est déjà passée. Ils ont demandé à Jésus, dans les 10 commandements, quelle est les lois qu'on doit vraiment respecter. Parce que l'homme, il veut toujours, c'est les seules choses qu'il veut qu'il se grandisse, c'est la paix. C'est les seules choses que l'homme, il veut qu'il grandisse. C'est les seules choses qu'il veut voir beaucoup de chiffres, c'est l'argent. Mais quand on parle de la loi, il veut toujours diminuer. Il a dit, quelle est la loi qu'on doit beaucoup plus respecter? Jésus l'a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton force, toute ta conscience. Dieu ne nous demande pas moitié, alléluia. Dieu demande tout. Et quand on se donne à Dieu, on doit tout donner. Que ma main soit pour Dieu. Que ma bouche soit pour lui. Et que mon corps aussi soit pour lui. Et là, je sais qu'il fera des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Marchez dans la sainteté. Alléluia. Marchez dans la sainteté. Je sais que c'est difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Moi, des fois, je dis que c'est Jésus, il est venu aussi, c'est pour nous prouver que c'est possible d'être l'homme et respecter la loi de l'Éternel. C'est vraiment possible. Parce que si on regarde bien, plusieurs fois, quand Jésus il était là sur la terre, il n'opérait pas comme Dieu. C'est pour cela que la Bible des Colossiens, il a dit quoi? Lui qui était Dieu, mais il n'a pas osé à se faire égal à Dieu. Mais il s'est humilié comme un homme. Alléluia. Il s'est humilié comme un homme. C'est pour cela qu'il se permet même d'être fatigué. Il se permet même d'avoir faim. Il se permet même de dormir. Alléluia. Mais quand sa divinité s'est réveillée, il faisait des grandes choses. Et quand sa divinité il s'est réveillée, il parlait même au figuier. Le figuier est séché. Et quand sa divinité il s'est réveillée, il parlait au vent, à l'eau. Tout ça, il entendait sa voix. Alléluia. Parce qu'il a montré que c'était lui le Créateur. Et s'il est le Créateur, il le sera pour toujours. La Bible dit, ceux qui protègent Israël,
il ne dort pas, il ne sommeille pas. Et moi, je crois aussi, il ne se fatigue jamais. Et celui qui ne se fatigue jamais, s'il vient dans notre vie, on ne va pas se fatiguer. Alléluia. La Bible nous dit, le livre de Job, à réalité de l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. On doit être guidé par l'esprit. Toujours, il y a des combats entre l'esprit et le corps. Mais ne cédez pas. Alléluia. Lèvons-nous.